L'expérience Oujamaa a été unique en Afrique. Elle s'est déroulée de 1967 à 1984. 20 ans après la mort de Julius Nyerere, c'est aujourd'hui l'occasion de rendre hommage au premier président de la République unie de Tanzanie, un homme sincère et honnête qui a vraiment essayé de mettre en œuvre un autre type de développement. À partir de 1967, il a voulu créer une société solidaire basée sur deux principes, l'égalité et la dignité. Aujourd'hui, journée d'information sur la Tanzanie, en ce moment même, à l'entrée de la rue Saint-Jean, information, dégustation gratuite de café et vente d'artisanat. Vous exposez ici des articles de différents pays du tiers-monde. Et vous vendez du café et du thé de Tanzanie. Pourquoi ? Notre comité tiers-monde vend ses produits, thé, café de Tanzanie, ainsi que de l'artisanat, en rapport avec les groupes artisans du monde en France. Nous vendons d'abord et avant tout ces produits pour entrer en contact avec le public, pour faire passer l'information sur la Tanzanie et les autres pays en voie de développement. Yves Dussert, vous avez participé à un voyage d'études en Tanzanie en 78. Qu'est-ce qui vous y a conduit ? Depuis la création du comité tiers-monde de Saumur, nous avons eu pour principal objectif de nous informer et de sensibiliser l'opinion publique aux problèmes du tiers-monde. Nous avons coordonné notre action avec le secrétariat des groupes locaux. Nos engagements de verser 1% de notre salaire pour le tiers-monde s'inscrivent dans le mouvement 1% pour un impôt volontaire de solidarité. La nécessité d'une action concrète s'est fait sentir. L'UCOJUCO, devenu Union des comités pour le développement des peuples, nous a aidés dans le choix de la Tanzanie pour le soutien à un projet de développement. Avec l'association Artisans du Monde, Café, Thé de Tanzanie, Documentation, Artisanat, et aussi avec les Amis d'un coin de l'Inde et du Monde, la CIM, avec Terre des Hommes et les autres mouvements qui vont dans le même sens, nous souhaitons une collaboration étroite. C'est la condition d'un appui solide, d'abord aux pays démunis, qui essaient de se développer à partir de leurs propres valeurs, dans le respect de chacun. C'est dans cette optique que plusieurs d'entre nous ont participé à des voyages d'études en Tanzanie. La Tanzanie, pays grand comme deux fois la France, situé juste sous l'équateur, au bord de l'océan Indien, entre le Kenya et l'Ouganda au nord, la Zambie et le Mozambique au sud. La République unie de Tanzanie est née en 1964 de la fusion entre l'ancien Tanganyika, lui-même indépendant depuis 1961, et l'île de Zanzibar, située à proximité des côtes de l'ex-Tanganyika, d'où le nom de Tanzanie. Il existe environ 120 tribus. La plus importante d'entre elles, les Sukuma, habitent près du lac Victoria et représentent environ 13% de la population totale.
La Tanzanie possède 7 grandes réserves d'animaux, la plus étendue étant le superbe parc national du Serengeti. Dans ce parc naturel vivent les animaux les plus typiques d'Afrique. Paradis de dizaines de milliers de gnous, de zèbres, de gazelles, il est aussi le paradis des girafes. Leurs silhouettes majestueuses s'éloignent au moindre bruit pour finalement se perdre derrière les épineux. Avec un peu de chance, le chasseur d'images surprendra, près d'un étang, un couple de lions guettant une proie qu'il chassera à la nuit tombante. Avec ses 15 millions d'habitants en 1975, répartis sur 940 000 km², la Tanzanie avait une densité moyenne de 16 habitants au kilomètre carré. Cette population est rurale dans son immense majorité. Elle peut atteindre 300 habitants au kilomètre carré autour du Kilimandjaro et près du lac Victoria, tandis que sur le plateau central, elle est clairsemée avec parfois un habitant au kilomètre carré. L'accroissement naturel de la population est de l'ordre de 2,7% par an, malgré une mortalité qui frappe un tiers des enfants avant l'âge de 5 ans. Par ailleurs, la population tanzanienne présente une homogénéité sociale intéressante, puisque aucune des 126 ethnies représentées ne jouit d'une position réellement dominante par rapport aux autres. En plus des quelques milliers d'Européens établis en Tanzanie, deux minorités ethniques sont aujourd'hui bien intégrées à la vie du pays. Les Arabes, environ 20 000, vivent sur la côte et dans les îles, tandis que les Asiatiques, Sikhs et Indo-Pakistanais, deux fois plus nombreux, occupent les postes clés de la petite industrie et du commerce. La Tanzanie est l'un des 10 pays les plus pauvres d'Afrique, avec un produit national brut d'environ 900 francs français par habitant et par an. Sa capitale industrielle et commerciale, Dar es Salaam, environ 1,5 million d'habitants, est aussi un port important pour le transport des marchandises vers la Zambie, le Rwanda et le Burundi. Le tiers des ouvriers tanzaniens travaille à Dar es Salaam, car elle possède une gamme variée d'industries. L'exode rural vers la ville constitue évidemment, moins cependant que dans beaucoup de pays sous-développés, un problème important. C'est pourquoi le gouvernement a décidé de transférer la capitale à Dodoma, ville de 20 000 habitants, située plus au centre du pays. Comme partout en Afrique noire, l'implantation de la population en Tanzanie était jusqu'en 1970 lié aux disponibilités en eau. Installés près des points d'eau, les villages étaient malgré tout éparpillés de façon très inégale sur l'ensemble du territoire,
ce qui rendait le développement du pays très difficile. L'habitation traditionnelle était le plus souvent une case cylindrique à toit conique. Aujourd'hui, elle cède peu à peu le pas à une habitation de forme quadrangulaire, à charpente de rondin, recouverte le plus souvent de chaume. La côte de l'océan Indien a été très tôt en contact avec le monde extérieur. Les Indiens, les Phéniciens, les Assyriens, les Perses et les Arabes établirent des comptoirs et commencèrent à développer le commerce. Au XVIe siècle, le commerce des esclaves se développe en Afrique. Au XVIIIe siècle, 15 000 esclaves étaient embarqués chaque année à Zanzibar en direction de l'Asie. À partir de 1850 environ, les puissances européennes développèrent la colonisation de l'Afrique de l'Est. En 1884, a lieu la conférence de Berlin, où les États d'Europe se partagent l'Afrique comme un gâteau. Le Tanganyika est attribué à l'Allemagne, mais après la Première Guerre mondiale, la colonie allemande passe sous administration britannique. Cantonnée dans une économie d'autosubsistance, la population était méprisée, abandonnée et exploitée par le colonisateur. La Tanzanie accéda à l'indépendance après un siècle de colonisation allemande puis anglaise. Le Premier ministre fut un ancien instituteur, fondateur du parti nationaliste, Julius Kambarage Nyerere. Celui-ci, diplômé de l'Université d'Édimbourg, fut réélu pour la troisième fois en 1975 président de la République de Tanzanie. L'idée fondamentale du président Nyerere, qui revient constamment dans ses discours, est celle de la dignité. Une dignité basée sur l'égalité, la liberté et le respect mutuel. Pour Nyerere, liberté signifie non seulement libération de la tutelle étrangère, mais aussi libération de la faim, de l'ignorance, de la maladie et des inégalités. Plusieurs essais de développement agricole furent expérimentés. Il y eut tout d'abord les Village Settlement Schemes. L'idée venue d'experts étrangers visait avant tout la production. Des villages modèles étaient équipés d'un matériel agricole très moderne. Mais il y avait 600 personnes à faire vivre dans ces villages, alors que 10 ouvriers qualifiés auraient suffi pour tout cultiver et tout faire fonctionner. À la suite de cet échec, le président Nyerere a voulu donner une direction nouvelle à l'économie tanzanienne.
le 5 février 1967, par la déclaration d'Arusha, il invite le peuple tanzanien à créer une société solidaire sur un modèle africain, et cela par la participation de tous. En jetant les bases d'une stratégie socialiste, la déclaration d'Arusha encourageait les communautés à régler elles-mêmes leurs propres problèmes en comptant avant tout sur leur initiative, leur énergie et leur courage. Le 6 février 1967, toutes les banques d'affaires privées furent nationalisées et chacun des 4 jours suivants, d'autres mesures furent prises devant permettre le contrôle de l'économie du pays. La même année, en 1967, le président Nyerere oriente l'expérience socialiste vers la création de villages Ujamaa. Ce mot Ujamaa signifie en swahili esprit communautaire ou familialisme. Suivant le modèle proposé par Julius Nyerere, dans un village Ujamaa, un certain nombre d'agriculteurs se regroupent librement, cultivent ensemble un champ commun et se partagent le revenu du champ selon la durée de travail de chacun. Beaucoup de villages Ujamaa de ce type ont échoué. En effet, dans une économie de troc, il n'est pas évident que des gens qui savent échanger du manioc contre de la canne à sucre soient capables de participer à la gestion d'une communauté de 60 à 70 familles. Par contre, d'autres villages Ujamaa ont mieux réussi. Ce sont les villages où tous les membres disposent d'une parcelle privée qu'ils cultivent et dont ils tirent de quoi subsister. Certes, l'idée de l'Ujamaa était utopique, mais elle n'a pas été dogmatique car elle a évolué à plusieurs reprises sur la période de 17 ans. Comme le disait le président Nyerere, l'important est d'essayer quelque chose pour battre la famine. Si nous réussissons, nous continuons. Si nous échouons, nous cherchons autre chose. Il a fallu au gouvernement regarder la réalité en face. Sur le plateau central de la Tanzanie vit une population dispersée à raison d'un habitant et demi au kilomètre carré. Dans un tel contexte, le développement était impossible. Inutile d'envisager d'avoir des écoles, des dispensaires ou de l'eau courante. Aussi, le but des villages Ujamaa était d'amener les gens à se regrouper. Pendant plus de 4 ans, les membres du gouvernement ont essayé de convaincre les paysans de se regrouper librement. Les résultats ont été insuffisants, alors certaines autorités régionales usèrent de contraintes pour les regrouper. Le gouvernement a changé de plan et a institué le village de développement ou village coopératif. Dans un tel village, il n'y a pas de champ collectif et les gens regroupés cultivent chacun leur parcelle privée. L'intérêt de ces villages est qu'ils peuvent utiliser le matériel appartenant à la coopérative.
À la fin de 1975, fut publiée la législation sur l'organisation des villages de développement. Chaque village devient une personne morale, pouvant ouvrir un compte en banque, vendre et acheter. Chaque paysan cultive son propre champ comme il l'entend. La propriété privée est donc conservée, mais il ne peut vendre ou acheter que par la coopérative du village. Le village est administré par l'assemblée du village et par le conseil de village constitué de membres élus. La vie dans un village, comment est-ce que ça se vit concrètement, Bernard Joannet? Bien, comment ça se vit concrètement? Ça se vit concrètement dans des villages. C'est-à-dire que la population était regroupée en 1974 dans ce qu'on appelle des villages de développement. Alors, ces villages ont leur propre gouvernement. C'est-à-dire qu'ils ont un secrétaire, ils ont un président élu par le parti, et ils ont un comité de développement de 25 membres qui, eux, sont élus par l'ensemble des membres. Alors, le village forme une unité, ils construisent leur école, ils construisent les murs, le gouvernement leur donne les tôles, ils ont leur propre marché, et automatiquement, par exemple, 10 centimes par kilo de maïs ou bien 15 centimes par kilo de coton reviennent au village. Alors ça veut dire que plus les villageois produisent, plus ils ont du profit personnel, mais également le plus d'argent revient dans la caisse du village. Vous sentez que moi je suis un fanatique, je dirais, de l'Oudjama, mais enfin, c'est pas du gâteau. Vous comprenez, partager avec les autres, qui est-ce qui veut partager? C'est pas si facile que ça. Et puis, au lieu de faire ses petits plans à soi, discuter avec les autres, consulter les autres, écouter les autres, c'est pas facile. 12 ans après la déclaration d'Arusha, la Tanzanie n'est certainement ni socialiste ni autosuffisante, et le pays n'est pas appelé à court terme à un grand essor économique. Dans l'esprit de Nyerere, ce qui compte avant tout, c'est l'amélioration progressive du niveau de vie de tous dans la dignité, plus que l'amélioration absolue de la production nationale. Pour atteindre l'objectif de la self-reliance, c'est-à-dire développer le pays en comptant sur ses propres forces, le parti unique, le CCM, a mis en place un certain nombre de structures. CCM is a mass party. The duty or the objectives of this mass party is the development of Tanzanians economically, politically and culturally, for our ideology centers on men. CCM is the development of man. Dans le but de satisfaire aux besoins du pays en utilisant ses propres ressources, le gouvernement a créé en 1973 la SIDO, Small Industries Development Organization, afin de développer les petites industries villageoises. Depuis la création de la SIDO, les importations de petits produits manufacturés ont sensiblement diminué, ce qui épargne une quantité appréciable de devises. D'autre part, les exportations se font sous forme de produits transformés, ce qui améliore également la balance commerciale.
Les responsables de cet atelier de mécanique ont été très fiers, par exemple, de nous expliquer qu'il y a quelques années, les vilebrequins de moteurs étaient envoyés en réparation en Grande-Bretagne. Aujourd'hui, les pièces mécaniques sont réparées ou usinées sur place, ce qui permet une plus grande autonomie. De même, ces briques réfractaires à haute température pour locomotives sont fabriquées aujourd'hui en Tanzanie. Une technique de chauffage astucieuse a été mise au point par un coopérant néerlandais. Elle consiste à faire brûler de l'huile de vidange avec de l'eau pour fournir l'énergie nécessaire à la cuisson. De façon générale, la femme travaille beaucoup en Afrique. Ici, en Tanzanie, le gouvernement lui accorde une place importante. À plusieurs reprises, nous avons rencontré des femmes responsables d'activités économiques et sociales. La Tanzanie s'est fixée pour tâche de satisfaire les besoins usuels de son peuple et de l'éduquer en conservant les valeurs africaines. Dans cette boutique d'artisanat, Nyumba ya Sanaa, à Dar es Salaam, une cinquantaine d'artistes et d'artisans contribuent à faire découvrir par leurs œuvres une expression moderne de l'art africain, tout en conservant l'inspiration de leurs ancêtres. Dans la société traditionnelle Makonde, la sculpture avait une double fonction, religieuse et communautaire. Aujourd'hui, à Nyumba ya Sanaa, certains artisans tanzaniens se tournent vers la confection d'articles modernes, mais cela sans altérer ni le charme ni les valeurs de la société africaine traditionnelle. Certes, la démocratie n'était pas parfaite et la pauvreté était le lot de la majorité des habitants. Mais néanmoins, le pays a fait quelques pas importants vers l'auto-indépendance. Le pas le plus important aux yeux du président Nyerere est d'avoir réduit un peu les inégalités entre citoyens et d'avoir apporté un peu plus de dignité à l'homme et à la femme en Tanzanie. Depuis 1972, une ligne directrice a été définie. Siasa ni kilimo, c'est-à-dire la politique, c'est l'agriculture. La production vivrière s'est accrue et les réserves de mil ont sensiblement augmenté ces dernières années. Entre 1967 et 1977, le gouvernement a subventionné le prix des engrais, il a débloqué les crédits pour les coopératives. Le gouvernement tanzanien avait défini trois grands objectifs. Avoir une école primaire dans chaque village, un dispensaire pour améliorer l'hygiène et la santé, et enfin de l'eau potable pour les besoins domestiques. La Tanzanie ne parvenait à scolariser en 1974 que la moitié des enfants d'âge scolaire.
les meilleurs élèves de l'enseignement primaire sont encouragés à rester 2 années de plus à l'école afin de devenir élèves instituteurs. Dans la plupart des écoles primaires, les enfants travaillent 1 ou 2 jours par semaine sous la surveillance de moniteurs agricoles dans un champ commun. La récolte est censée représenter 1 repas par jour. En plus, de nombreuses écoles font de la menuiserie, des briques ou divers travaux. Ces activités d'autosuffisance sont encore limitées, mais elles sont en voie d'être acceptées comme une partie du système normal d'éducation. Le deuxième objectif de développement rural, avoir un dispensaire dans chaque village, était encore loin d'être atteint, car seulement quelques centaines de villages étaient équipés d'un dispensaire. Le gouvernement a porté son attention sur les zones rurales. Sa marge de manœuvre était cependant très limitée, puisqu'il ne pouvait se permettre de dépenser que 1 euro par an et par personne. Ceci est bien peu comparativement à la France, qui elle en dépensait 100 fois plus. Le troisième plan quinquennal de développement a mis davantage l'accent sur la médecine préventive dans la formation d'infirmières et d'auxiliaires médicaux, ainsi que dans la vulgarisation des vaccinations contre la tuberculose, la rougeole et la polio. En 1979, la mortalité infantile est encore très importante. Elle est de 140 pour 1000 pour les enfants de moins d'un an, soit 10 fois plus qu'en France. Conscient du fait que ce n'est pas le nombre de médecins qui améliorera le niveau de la santé, une grande campagne d'éducation et d'hygiène fut lancée dès 1973 par le gouvernement tanzanien. Un an plus tard, en 1974, démarrait une deuxième phase qui se proposait d'aller au-delà. Chakula ni uhai, c'est-à-dire la nourriture, c'est la vie. Pour éliminer une déficience calorique et protéinique d'une partie de la population, des efforts sont faits pour éduquer les gens afin qu'ils consomment plus de céréales, mais aussi afin qu'ils renoncent à certains tabous et qu'ils produisent et consomment de la volaille, des œufs et des légumineuses. D'autre part, des campagnes nationales ont été effectuées pour vulgariser la construction de latrines ou fosses d'aisance dans chaque village. Bien que des efforts importants aient été faits sur le plan hygiène, santé, nutrition, la situation est loin d'être bonne. Même si la mortalité infantile est en diminution et que l'espérance de vie atteint maintenant 47 ans, alors qu'elle n'était que de 35-40 ans au moment de l'indépendance. Le troisième objectif de développement rural était l'approvisionnement en eau potable. La bataille n'a pas été gagnée, car seulement 3 millions de personnes dans les villages en disposaient à portée raisonnable. Cela veut dire que 10 millions de personnes n'en avaient pas. La Tanzanie n'avait pas encore atteint le stade du décollage économique, car pour pouvoir acheter des machines et des biens d'équipement, il lui fallait augmenter le volume de ses exportations,
c'est-à-dire accroître la production des cultures commerciales et vivrières. Des efforts importants doivent être faits pour améliorer les méthodes de culture. Ainsi, dans ce champ, le mil cultivé dans de mauvaises conditions n'a pu être récolté. Par ailleurs, seulement 6,4% des terres sont cultivées et les rendements de céréales sont faibles, 917 kg par hectare pour une moyenne africaine de 979 kg par hectare. En 1977, 10 ans après la déclaration d'Arusha, le président Nyerere reconnaissait que les résultats en agriculture avaient été décevants. Souvent, dans les villages, les gens rêvent d'acquérir un tracteur au lieu d'apprendre à dresser des bœufs pour tirer des charrues. Dans les villes, ils s'efforcent d'acheter un camion alors qu'ils pourraient utiliser et fabriquer beaucoup plus de petites charrettes. Dans certains endroits, il y a une tendance à abattre des arbres ou casser des branches pour les besoins usuels. Ce déboisement amène progressivement l'érosion du sol et transforme les vallées fertiles en zones sèches. Personnellement, je pense que l'expérience Oudjamaa a été utile pour les pays africains. Et il leur appartient maintenant de faire leur révolution agricole en réalisant en particulier l'association de l'agriculture et de l'élevage. Comme le disait le professeur René Dumont, grand expert en agronomie tropicale, les bases essentielles d'une révolution agricole sont l'apport de fumerons organiques, la réalisation de dispositifs anti-érosifs, l'utilisation de variétés précoces et l'association de l'agriculture et de l'élevage. Malheureusement, en Tanzanie, l'accent n'était pas assez mis sur ces quatre conditions. Pourtant, comme le dit le président Nyerere, les paysans ont travaillé dur. Mais ils ont travaillé sans connaissance et compréhension suffisante des améliorations agricoles. Mais ce qui distingue la Tanzanie de certains autres pays, c'est qu'il a quand même été tenté quelque chose. Sur le plan industriel, l'expansion était faible par rapport aux besoins de la Tanzanie. Mais cela s'explique compte tenu du très faible niveau d'industrialisation au moment de l'indépendance. L'une des priorités pour la Tanzanie a été d'accentuer le développement d'entreprises transformant les matières premières produites dans le pays. Par exemple, en 1964, très peu de coton était transformé sur place, tandis qu'aujourd'hui, la Tanzanie dispose de 9 usines textiles, produisant environ 80 millions de mètres carrés de tissu, ce qui assure l'autosuffisance du pays dans ce domaine. Bien que faible, la valeur globale de la production industrielle a triplé en 10 ans. Et l'industrie représente environ 10% du revenu national, au lieu de 8% en 1966. Dispensée sous forme de cours après la journée de travail, l'éducation pour adultes
est également diffusé par l'intermédiaire des chansons. Pour améliorer le niveau et la condition de vie des gens, l'accroissement de la production agricole est une condition nécessaire. Mais pourquoi le paysan produirait-il davantage s'il n'en retire pas un plus grand bénéfice et s'il ne trouve pas sur place de quoi satisfaire ses besoins en biens de consommation courant, bicyclette, habillement, confort ménager? Comme dans la plupart des pays du tiers-monde, les chances du succès économique reste conditionné par le problème de l'énergie. Les prospections d'hydrocarbures n'ayant donné aucun résultat, le pays dépend très largement de ses importations de pétrole. Heureusement, le potentiel disponible en énergie hydroélectrique et en charbon devrait aider la Tanzanie durant la prochaine décennie à mettre en place un secteur industriel de base. L'augmentation du coût du pétrole n'a pas été la seule cause des difficultés sur le plan économique. Ainsi, durant les 10 premières années d'indépendance, la Tanzanie a subi une perte de pouvoir d'achat de 300 000 francs lourds, à cause de l'effondrement des cours du sisal, qui sert à fabriquer des cordes et des sacs. Est-ce que la Tanzanie peut atteindre rapidement le stade du décollage économique? Monsieur Omari Issa. Well, I'm not sure I can pinpoint a year or decade in which Tanzania can reach that status. I think it all depends on how the developed countries accept to introduce the new economic order, new international economic order, which Mwalimu has been speaking about for a long time at many international forums. Basically, it means taxing the rich countries for the benefit of the poor countries. What we have now really is we sell our crops to the rich countries. They decide the price. Then we buy the manufactured goods from the rich countries. They also determine the prices. As long as this situation continues, I don't think we'll ever get to an economy which would be in our favor. So the sooner we introduce the international economic order, the sooner Tanzania will be able to arrive at that goal. Thank you. L'expérience Ujamaa avait pour objectif de créer une société solidaire en provoquant une évolution des mentalités afin d'atteindre une amélioration progressive des conditions de vie de tous. La devise du pays, Uhuru na Kazi, c'est-à-dire indépendance et travail, est devenue Uhuru ni Kazi, l'indépendance c'est le travail. Cependant, comme l'a dit Julius Nyerere, il restait de nombreux problèmes à résoudre et de nombreuses erreurs à corriger. Socialiste.
Malheureusement, les résultats économiques ont été décevants. À partir de 1984, Julius Nyerere a reconnu qu'il fallait changer d'orientation. L'économie a été progressivement libéralisée et les moyens de production ont pu appartenir au secteur privé. En 1985, avec une certaine lucidité, Julius Nyerere a choisi de ne pas se représenter aux élections présidentielles. Ce fut alors la fin de l'expérience Ujamaa qui avait suscité beaucoup d'espoir. L'expérience Ujamaa a montré que les pays pauvres ne pouvaient pas atteindre le stade du décollage économique sans l'aide des pays développés. La nécessaire révolution agricole en Afrique doit être réalisée par des moniteurs agricoles africains avec l'aide de coopérants étrangers. Elle doit être basée avant tout sur l'association de l'agriculture et de l'élevage. Selon une recommandation de l'ONU, les pays développés devraient consacrer 0,7% de leur produit intérieur brut à l'aide aux pays pauvres, comme ils s'étaient engagés à le faire dans les années 1960. Pour cela, il faudrait que la France augmente son aide publique au développement, car elle n'est aujourd'hui que de 0,5%. D'ailleurs, seuls quelques pays d'Europe du Nord réalisent cette recommandation de l'ONU. Par ailleurs, les particuliers qui le peuvent sont invités à verser 1% de leurs revenus pour les pays en espoir de développement. C'est sans doute la meilleure manière de limiter l'immigration et de permettre le développement des pays pauvres. Le pays s'était fixé pour objectif de créer lentement une société moderne, mais en évitant tous les inconvénients d'une société copiée sur l'Occident. En 1971, Julius Nyerere déclarait « Nous voudrions allumer une torche au sommet du Kilimandjaro, une torche qui brillerait au-delà de nos frontières et donnerait l'espoir là où l'on désespère, l'amour là où l'on hait, la dignité là où il n'y a qu'humiliation. »